Madame Traoré, vous ne pouvez pas voir votre fils. Parce qu'il saigne du nez, il saigne de la bouche. J'ai dit, mais si mon fils il a piqué une crise cardiaque, il ne va pas saigner de nez et de bouche. Ah, madame, vous ne pouvez pas. Donc moi, je me suis mis par terre. La dame, elle a commencé à pleurer avec moi. Après, on m'a pris, on est sorti. Le patron, hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. C'est les gendarmes qui ont tué mon fils. C'est qu'ils ont tué mon fils. La dame n'est pas cardiaque. Non, je suis désolée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait la marche, il y a une très grosse partie de la population entre Beaumont, Persan et les autres villes qu'on a mis en prison, qui ne sont malheureusement pas là. On leur a mis des interdictions. Ils sont interdits de venir à Beaumont. On a mis tous mes petits frères en prison. C'est comme s'il y avait un train comme ça lancé à 300 km à l'heure. Et puis on ne sait pas où va le train, mais en fait dans le train il y a des gens qui montent, qui descendent quoi. Alors après les gens ils crient, ils essaient de trouver une justification à leurs actes, mais je sais pas trop quoi. Je sais pas trop. L'idée bon bah ça serait de poser des questions, de demander qui a financé les gilets jaunes. Qui a financé la Sono, voilà, ça serait ça l'idée. Et puis, là c'est vrai, là c'est quand même plus impressionnant. Là. C'est vrai que là il se passe quand même quelque chose. C'est sûr que. Mais enfin, faut pas croire que je sois contre ça. Hein. C'est pas ça le propos, quoi. C'est pas d'être contre les gens qui manifestent, quoi. Le propos, c'est demander ce qu'on fout là, quoi. Je me demande ce que je fais là. Alors, bon, c'est sûr. Qui manifestent parce que quelqu'un s'est fait tuer dans des conditions douteuses. Bon, ça, c'est vrai que je suis plutôt d'accord. Mais après, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ouais, y a une dame qui a une écharpe tricolore, là. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Bon, j'espère que c'est pas quelqu'un avec Macron, parce que, bon, a priori, ils n'envoient pas des casseuses taper sur les gauchistes. C'est vrai, je devrais peut-être pas me poser tout le temps ces questions, qu'est-ce que je fais là, parce que... Après, ça dégénère, quoi. Non, je crois qu'il vaudrait mieux que je tourne des films dans la cave, quoi. Voilà. Parce que la cave, là, je la sens bien. Juste pour un débat. Juste pour un débat. Juste pour un débat.